a même des you-you. Zgarit. Salam alaikum. Azul Flaun. Bonjour. N'attendez pas de moi aujourd'hui que je vous assène une quelconque vérité, comme je me permets souvent de le faire. Aujourd'hui, je n'abuserai pas de votre mansuétude, parce que je suis incapable de la moindre certitude. Je suis dans le brouillard, l'embrouillamini, la purée de pois. Je suis perdu, je divague sur des chemins de crête, je guette une corne de brume. Je ne sais pas si c'est votre cas, mais personnellement, j'avoue que je suis encore sonné par ces tragiques événements qui viennent de se produire en France. Je ne parviens pas encore à assimiler tout ce qui s'est passé, à en compartimenter les diverses phases, à tenter de leur trouver des justifications ou des explications. Ce fut trop de violence, trop de couacs, trop de carences, trop d'incompétences, trop d'improvisation, trop de charognards, trop d'opportunistes, en trop peu de temps. Puis, une fulgurante récupération par on ne sait qui comme une lame de fond, un tsunami qui s'est levé dans ne sait quelles profondeurs abyssales pour venir inonder, bousculer, emporter le peu de discernement qui nous restait. Nous sommes sur une coquille de noix, au sommet d'une déferlante ballottée dans tous les sens. Il n'y a plus de sens aux événements. On ne sait plus quoi penser. Une proue d'acier sortie des brumes humides sillonne les multitudes. Il n'y a plus que foule, ahurie d'un côté, et d'autres pleines de haine de l'autre. Nous voyons des gens s'agglomérer en troupeaux bêlants ou en meutes hurlantes. Les premiers à se dire béatement « Charlie, je suis Charlie », les autres à appeler à la mort des musulmans, à leur lynchage. Et dans tout ça, des centaines de millions de musulmans désignés à la vindicte générale, parce que d'un quelconque service secret, occidental ou sioniste, on a décidé, comme on l'a toujours fait, de télécommander des zombies. Moi qui suis algérien, moi qui sais ce que terrorisme pédagogique veut dire, moi qui sais comment les officines du DRS concoctaient les fatwas de mort, moi qui sais comment ils envoyaient des djihadistes tuer des innocents, djihadistes qui pensaient stupidement que la fatwa qu'ils serrent contre leur cœur provient vraiment des émirs, de leurs émirs. Alors moi, ma sonnette d'alarme retentit toujours dans ma tête quand un événement comme celui de Paris se produit. Ma sonnette d'alarme se produit toujours. Paris est donc devenue la capitale de la liberté d'expression, de la démocratie, de l'antiterrorisme. Et ainsi, alors qu'aucune enquête sérieuse n'a encore été entreprise, qu'on ne sait rien des véritables conditions qui ont précédé ces attentats, ni des vrais commanditaires qui ont tiré les ficelles des djihadistes, qui ne savaient peut-être pas eux-mêmes que leurs marionnettistes sont ceux-là même qu'ils croient combattre. Un tournant semble avoir été pris à l'échelle planétaire, comme après le 11 septembre 2011. C'est comme si toute une machinerie se mettait en branle, que des cartes et des plans de bataille sont déployés sur des cartes d'état-major. Quelque chose de phénoménal, de monstrueux, qui va certainement donner un tournant majeur à la marche de l'histoire, est en train de se jouer là, là, sous nos yeux, sans même que nous sachions quoi ni de quelle façon on va être bouffé. Paris est devenue la capitale de la lutte antiterroriste et des foules immenses. Belle à qui mieux mieux. Je suis Charlie, je suis Charlie. Mais d'autres slogans commencent à enfler l'air de rien.
Je suis Charlie, je suis juif, je suis juif. Des raccourcis sont pris dans tous les sens. C'est branle-bas de combat. Le dernier à monter dans le train n'aura pas sa place. Alors c'est la ruée. Ils arrivent de tous côtés pour manifester pour la liberté d'expression, contre la barbarie, pour la démocratie. Et dans le lot, un Netanyahou, bourreau de masse et grand criminel contre l'humanité, et d'autres de ses amis, dont certains, a dit « J'ai tué de nombreux Arabes, je suis fier de les avoir tués et je suis prêt à recommencer. » Il est dans cette marche. Parmi les plus grands faucons du sionisme, ils sont là, dans cette marche. Mais aussi, marchant non pas à leur côté, mais derrière eux, des despotes africains et un ministre algérien qui représente au pays, qui représente un pays où la presse est malmenée et où un journaliste, Abdelhay Abdesemir, est en prison depuis 16 mois sur l'ordre du frère du chef de l'État. Sans aucun chef d'inculpation. Il est en prison depuis 16 mois, sans aucun chef d'inculpation, parce que le frère du président l'a décidé, et le ministre des Affaires étrangères va manifester à Paris au nom de la liberté d'expression. Nous en sommes là. Comme à son habitude, le système qui dirige le monde continue de puiser tout ce qu'il veut dans le climat délétère qu'il a lui-même créé. Un système qui a réussi à instaurer une psychose de masse, une violence désormais systémique, intrinsèque à l'homme. Quelque chose de malsain a été inséminé dans le sein des multitudes pour leur inculquer une attitude identitaire, étriquée et revancharde, et de lui désigner des boucs émissaires pour les charger de tous les maux possible et imaginable. Les hommes, toute origine confondue, réapprendront-ils un jour à voir la vérité en face sans qu'il soit besoin pour eux de trouver un exutoire à la haine qui a été semée dans leur esprit, dans leurs esprits? Ce ne sera pas facile parce que les graines qui y ont été cultivées ont germé et le chardon a poussé. Avec nous aujourd'hui pour parler de tout ça, Zineb Azouz, universitaire à Constantine, Jacob Cohen, écrivain militant antisioniste à Paris, Ismahan Bouzidi, professeur en sciences islamiques à Paris, Mohamed Al-Arbi Chamgui, docteur en sciences politiques, chercheur, spécialiste des relations euro-arabes. Zineb Azouz. Zineb Azouz. Zineb Azouz n'est plus avec nous. Jacob Cohen. Oui, je suis là. Oui. Bonjour, cher Jacob Cohen. C'est toujours bonjour, un plaisir cher ami, oui. De vous recevoir. Alors, dites-moi... Oui. À chaud comme ça, c'est la question que oui. Je pose depuis hier, moi, aux gens dont je connais la capacité d'analyse et je sais que vous vous intéressez de très près à ce genre de situation. À chaud, qu'est-ce que vous pensez de cette histoire? Cette histoire est... Alors, il y a plusieurs choses. D'abord, c'était prévisible, disons quelque chose de ce genre, voilà. Mais, pas de cette ampleur, mais enfin, avec tout le matraquage qui était fait par la France, des pays, la destruction de la Libye, l'intervention en Irak, la soumission des musulmans en France, l'envoi de djihadistes, entre guillemets, en Syrie, enfin, toute cette politique de harcèlement, de discrimination, de soumission, ben, il a fallu qu'il y ait une explosion. Mais il y a eu des précédents, c'est-à-dire il y a eu Mera qui a annoncé ça. Sauf que Mera, on le sait, enfin, il y a des choses troublantes dans cette histoire. C'est-à-dire, par exemple, il avait deux passeports, qu'il était en Israël, au Pakistan, alors que c'était un petit voyou, etc. Et donc finalement, en fait, probablement que le système avait affiné son coup,
il a fait un super Mera. Et donc, finalement, pour arriver à quelle fin? C'est-à-dire, probablement faire des. Mobiliser la France entière et l'Europe contre le terrorisme, enfin, ce qu'on appelle le terrorisme. Adopter des lois de contrôle sur l'Internet et sur les organisations, etc. Mais je pense que les musulmans, de manière générale, enfin la communauté musulmane en France et peut-être probablement ailleurs, il ne faut pas qu'ils s'attendent à avoir des jours meilleurs, parce que la stigmatisation va encore se renforcer. Et malheureusement, je pense qu'on va assister à de plus en plus de tensions intercommunautaires qui sont dans l'intérêt de l'Amérique, d'Israël, parce qu'Israël aussi veut apparaître comme le leader de la lutte contre le terrorisme, et donc on va lui donner une espèce de certificat de légitimité pour mener ce combat. Enfin, à peu près ce que je ressens à chaud. Le Jacob Cohen, le titre de notre émission aujourd'hui est Paris, en septembre, deuxième épisode. Vous n'avez pas ce sentiment qui se passe? Oui, tout à fait, oui. Oui, et en même temps, le 11 septembre, on le sait, il y a eu tellement de fausses... il y a eu un vrai montage. Et donc, si on est un peu honnête et si on est un peu lucide, on peut effectivement... Enfin, on voit que le 11 septembre était un montage. Là, aujourd'hui, je suis un peu partagé. Mais, disons, par l'ampleur que du coup, et surtout par la réaction, parce que après tout, bon, on aurait pu prendre ça comme un fait divers tragique et l'assumer en conséquence. Mais le 11 septembre, on sait ce qu'elle a donné après, c'est-à-dire l'invasion de l'Irak, de l'Afghanistan, enfin, le choc de civilisation, etc. Et donc, il est probable, c'est par les effets que je vois la ressemblance. C'est-à-dire par les répercussions que cela va avoir. Mais c'est exactement... Il va y avoir des répercussions très lourdes. C'est exactement ce que je voulais dire. Ça veut dire que, par exemple, on s'est précipité à organiser ce big show... Oui. Même avoir commencé une enquête sérieuse. Oui, tout à fait, mais c'est extraordinaire. Moi, je suis sidéré par le pouvoir de mobilisation, par le pouvoir de propagande et par la soumission des masses. Aujourd'hui, j'étais dans le métro parce que je devais prendre le métro, j'étais à Jazeera. Et si je ne devais pas aller là-bas, je n'aurais pas pris le métro parce qu'il y avait un monde. Mais le monde s'est précipité. Dans toutes les villes, c'est extraordinaire. Et je pense que maintenant, le peuple français, il est mûr pour accueillir toutes les lois qu'on voudra lui imposer et toutes les aventures qu'on voudra lui faire faire. L'occasion fait le larron. Restez avec nous, Jacob Cohen. Bien sûr, bien sûr. Ismahan Bouzidi. Walaikum salam, merci de nous avoir rejoints. C'est un plaisir de vous recevoir, Ismahan. Merci à vous, Jamel. Alors, première question, quel est, comme je l'ai posé à tous mes invités avant vous, quel est votre sentiment sur cette étrange, bien étrange affaire, et est-ce que vous êtes Charlie, vous aussi? Alors, mon sentiment en ce qui concerne cette affaire est très clair. Tout d'abord, la France traverse en ce moment des moments difficiles, parce qu'elle a perdu certains de ses concitoyens. Bien entendu, il y a des interrogations sur l'origine de cette affaire. Tout n'a pas l'air aussi clair que cela en paraît pour les médias. Vous avez tous entendu parler de ces papiers d'identité qui ont été oubliés dans la voiture, la durée importante de la fuite des terroristes, en passant par la protection qui a été très réduite de la rédaction de l'hebdomadaire, n'est-ce pas? Oui. Également la fuite incroyable des personnes qui ont été dans cet attentat, en sachant que c'était à une heure de pointe, la circulation n'était pas fluide à ce moment-là. Mais qu'importe, en tout cas notre sentiment aujourd'hui, à nous en tant que citoyens musulmans et français, elle est claire et nette. Mais en même temps, nous trouvons cela aberrant que l'on demande aux musulmans de France de se désolidariser d'actes qu'ils n'ont pas commis. Oui. Pourquoi est-ce que nous devrions sans cesse montrer patte blanche alors que les 5 millions de musulmans en France, si ce n'est plus,
n'aspirent qu'à vivre en paix, n'est-ce pas? Et je tiens à rappeler aussi que les musulmans français ont participé à cette marche, qu'ils ont condamné quand même ces attentats, tout comme ils condamnent toute forme de terrorisme, et cela, qu'il soit à Paris ou à Gaza ou ailleurs. D'autre part, le terrorisme, bien entendu, n'a pas de religion, le terrorisme n'a pas de nationalité, or ce n'est pas le cas de tout le monde. Et aujourd'hui, il est d'autant plus choquant de voir que Benjamin Netanyahou soit venu participer à la manifestation aujourd'hui à Paris. Comment est-ce que des criminels peuvent venir dénoncer ce qu'eux-mêmes font? Je trouve cela tout simplement hallucinant et la récupération politique, elle devient absolument odieuse. Mais Ismahan, l'Occident, oui, d'une manière générale, n'a jamais considéré Monsieur Netanyahou comme un criminel contre l'humanité, comme un criminel de guerre. Pour eux, Monsieur Netanyahou est le représentant de la plus grande, de la meilleure démocratie dans la région. Comme si on pouvait faire comparaison pareil. Mais enfin, Netanyahou est un homme d'État. C'est un homme qui ne peut pas commettre de crimes contre l'humanité. C'est une démocratie. Mais sinon, êtes-vous, Charlie? Mais bien entendu, on constate cela et on constate qu'il y a une géométrie variable ici. Hein? Les choses ne sont pas les mêmes lorsque l'on parle de musulmans et de personnes qui ne sont pas musulmanes. Lorsque l'on parle aujourd'hui de liberté d'expression, en France, il faut savoir que la liberté d'expression, elle n'est pas totale. N'est-ce pas? Lorsqu'il s'agit des musulmans, nous sommes libres de dire ce que l'on veut, de dessiner ce que l'on veut, d'accuser les musulmans de ce que l'on veut. Et lorsqu'il s'agit d'autres communautés, eh bien, bien entendu, il n'y a plus d'expression, de liberté d'expression qui tient. Vous savez tous ce qu'il en a été en ce qui concerne le comédien Dieudonné Mbala, qui a, oui, été censuré, qui a été interdit de scène, qui a été traîné en justice, car il a fait un sketch sur un colon israélien. Israël. Où se trouve la liberté d'expression, ouais, est-elle totale? Oui, mais c'est un secret de polichinelle. De toute façon, maintenant, ils l'assument très bien. Quand ils ont été poussés à leur dernier retranchement, ils ont dit, écoutez, bon, c'est comme ça, que vous le vouliez ou non, nous on s'en fout, hein, c'est comme ça, la presse, c'est nous qui la contrôlons, c'est nous qui la maîtrisons, c'est nous qui faisons qu'elle fonctionne comme ci et pas autrement, donc circulez, il n'y a rien à voir, restez avec nous Ismaël, bien que vous n'ayez pas répondu, êtes-vous ou non Charlie? Ismaël, avant de partir restez avec nous, Ismaël. Zineb Azouz. Oui. Bonjour, Zineb. Allô. Bonjour, Zineb. Merci d'être bonjour avec nous. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Alors, Zineb. Zineb. Il y a une coupure, oui. Et là, vous m'entendez? Oui, je m'entends. Ah, bah, c'est très bien. Zineb, est-ce que vous n'avez pas le sentiment, comme moi, que quelque chose qui est en train de se faire dans votre dos? Qu'il y a des magouilles qui se... C'est clair, nous sommes en plein dans les slogans publicitaires. Je suis pas Charlie. Nous sommes dans des raccourcis très dangereux et nous sommes surtout dans un nouveau pouvoir qui s'appelle le pouvoir des médias. Un pouvoir que personne n'a élu, personne n'a choisi, et qui supplante tout le monde, et le pouvoir politique, et le pouvoir judiciaire, et même le pouvoir de la matière grise la plus élémentaire. Hein. C'est surtout ça qui m'inquiète, hein. Plus que toute autre chose, c'est même plus que ce second 11 septembre qui s'annonce à pas géant. Oui, oui. Mais si, d'après vous, cette histoire... ça va s'annoncer comment, ce que vous nous prédisez là? Ben, si on est réellement dans une confrontation des logiques, choc de civilisation, ou suite à un crime, ou quelques minutes après qu'un crime ait eu lieu dans une capitale européenne, on s'acharne, mais on dit que ça nous prouve que c'est une attaque extérieure,
où la défense nationale est confondue avec la sécurité nationale, où en deux temps, trois mouvements, c'est carrément une levée de bouclier international contre un ennemi extérieur, alors que, mon Dieu, rappelons-le encore une fois, il s'agit d'un acte criminel, d'une attaque armée, au cours de laquelle ont péri 12 victimes. Mon Dieu, que ce sont des actes qui ont lieu des centaines de fois dans des centaines de pays dans le monde. Ces actes seraient commis, et bien sûr, seraient commis par des Français. Hein, parce que moi, je ne me soucie pas, hein, j'essaie parfois de jouer à la République et à la Ricarde, et je n'ai pas de la religion de ceux qui commettent des crimes, de ceux qui prennent des armes pour aller tuer. Du moins, jusqu'à ce qu'il y ait enquête, jusqu'à ce que le procureur se prononce, jusqu'à ce qu'il y ait un procès, on pense un peu un procès. Je rappelle que le procès, la condamnation, l'exécution a eu lieu en moins de 3 jours, hein, je me sens. Oui, c'est tout à fait. Ouais. La délibération a eu lieu en, je sais pas, un quart d'heure, un demi-heure après les faits, et après l'exécution des présumés coupables, hein, qu'on me pardonne ma naïveté. Je continue de parler de présumés coupables. Et oui. Et là, on a une vie internationale pour aller manifester pour la liberté d'expression. Je ne vois pas tout de suite le lien, ça m'inquiète beaucoup. Restez avec nous. J'accueille à présent monsieur Ramqi. Mohamed Larbi, Ramqi. Merci d'être avec nous. Dites-moi. Il y a des centaines de millions de musulmans qui sont mis dans le même panier. Hein, quand il y a une histoire comme ça, c'est tout le monde qui est mis dans le même panier. Or, nous savons tous, et c'est un secret de polichinelle, que pratiquement tous les chefs d'État qui sont à la tête des pays musulmans ont été soit placés par les Occidentaux, soit soutenus par les Occidentaux, souvent contre le gré de leur propre peuple. Le cas égyptien est là pour nous montrer un peu toute l'étendue des dégâts. J'aimerais que vous nous disiez un peu comment on en est arrivé là, surtout lorsqu'on sait qu'il n'y a rien de plus infiltrable, de plus manipulable qu'un djihadiste. Ça veut dire n'importe qui peut le manipuler contre n'importe qui d'autre. Essayez de nous expliquer un peu, vous qui êtes chercheur en matière de relations européenne, comment on en est arrivé là à un tel clivage, à un tel rapport? Voilà, donc merci de vous poser une question de fond. On ne peut pas comprendre l'actualité aujourd'hui tant qu'on n'a pas fait un recul, c'est-à-dire un retour au passé. Qu'on le veuille ou non, il y a un climat, une ambiance de tension entre le monde musulman et le monde chrétien. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Mais ça fait depuis des siècles, il suffit de voir ce qu'on dit derrière les croisades, après il y a la colonisation, etc. Tout ce qui a passé, bien sûr, il y a ce qu'on appelle, il y a le poids de l'histoire, il a laissé des séquelles sur les relations entre le monde musulman et le monde chrétien. Sauf que, aussi, après, il y a parmi les événements qui ont bien sûr vont laisser des traces, c'est la chute du califat en 1924, l'Empire ottoman. Et bien sûr, il y a tout ce qui a. C'était un choc pour le monde musulman. Et après, il y a une sorte de réaction de la part du monde musulman, ce qu'on appelle après le mouvement de réforme, ou bien même certains maintenant qui se proclament, donc, comme quoi ils veulent rétablir le califat, etc. Donc là, je pense qu'il y a le poids de l'histoire, ne pas oublier donc, tout ce qu'il y a comme. On peut dire un rapport de force dominant-dominé. Malheureusement, les grandes puissances occidentales en général n'ont pas su qu'il y a une évolution dans le monde musulman. C'est-à-dire on est en train, il y a une sorte de ce qu'on appelle renaissance, un réveil, un retour à la spiritualité, à l'identité. Et donc, c'est assez normal qu'ils ont vu que dans cette domination, ce rapport de force qu'on a vu au passé, à la colonisation, ils ont trouvé que dans cette domination, ils ont trouvé un sentiment de frustration, et donc ils veulent donc changer cette situation
pour un respect et traitement égal à égal. Donc là, malheureusement, depuis, on peut dire, les années après la Deuxième Guerre mondiale, après tout ce qui s'est passé après, on a eu les années 60, comme vous avez dit, en partant de la colonisation, ils ont laissé un monde de musulmans divisé. Plus, en plus, comme vous avez dit, donc ils ont mis en place dans la plupart des pays musulmans une élite occidentalisée dans le sens laïque. Et elle va bien sûr causer des problèmes au sein du monde musulman parce que on va assister à une sorte de dualisme entre deux repères, entre deux références laïques et références musulmanes. Et bien sûr, cette renaissance, cette jeunesse, elle demande maintenant un retour, ce qu'on a vu donc après cette évolution. Il y a une tendance actuellement, depuis les années 70, c'est pas, ça date pas d'aujourd'hui, il y a une tendance vers ce retour à, c'est-à-dire un sentiment de fierté musulmane et une sorte de référence musulmane. Et bien sûr, comme je dis, qu'il y a cette frustration, surtout pour la jeunesse actuellement, en plus le cas de la France est un peu particulier parce qu'il y a un sentiment aussi de marginalisation chez la jeunesse. Donc si on fait une sorte de cocktail, ça devient un problème à tous les niveaux. Et donc c'est pourquoi si on arrive aujourd'hui à il y a en plus de tout ce qu'il y a comme problèmes donc sociaux, problèmes donc il y a problème d'identité culturelle. Donc là, malheureusement, ça pose un problème au niveau de relations et c'est tout à fait normal, même si au-delà de l'acte lui-même, c'est-à-dire crime ou pas crime, etc. Mais il y a, je pense qu'il y a, malheureusement, il n'y a pas un accompagnement, si on peut dire, de cette évolution du monde musulman qui cherche de se libérer, de s'émanciper de cet esprit de domination parce qu'aujourd'hui, on arrête parce que c'est fini la colonisation. Et malheureusement, il y a toujours il y a une sorte de un entêtement pour continuer dans ce c'est Mohamed Larbi Ramagui. C'est incompréhensible pour les musulmans qui se sont réveillés, il y a une certaine prise de conscience. C'est Mohamed Larbi. Voilà, oui, non. Maintenant, il n'y a pas de doute dans notre esprit, on l'a presque admis maintenant comme incontournable, que nos élites, d'une manière générale, se sont toutes abreuvées aux sources, aux références, aux valeurs occidentales. On appelle ça la mondialisation maintenant, mais bon, on n'a pas tellement le choix. La nature a horreur du vide. Donc, mais le problème, ce rapport dominant-dominé dont vous parlez, on ne va pas en sortir? On ne va pas en sortir? On va rester éternellement dans ce rapport? Pourquoi j'ai demandé, j'ai dit normalement si nouvelle classe politique non, doivent mettre fin à cette nostalgie, si on peut dire retour à ce rapport de dominant dominé, vu l'évolution, la grande révolution de bouleversement, les mutations que connaît le monde musulman. Donc normalement on doit les experts qui donnent du monde musulman, ça c'est bien que on peut pas toujours garder la même c'est-à-dire politique de dominant dominé. Et il faut comprendre que, comme j'ai dit, il y a une grande prise de conscience chez les musulmans, surtout les nouvelles générations. Maintenant, moi, j'ai plus de 30 ans ici en France, et je vois l'évolution. On est en train de passer de l'immigration à la citoyenneté. Donc, c'est-à-dire il y a un esprit de, entre guillemets, de revendicatif chez les nouvelles générations. Ils veulent un traitement donc égal à égal, etc. Donc, plus de droits, plus de bien sûr, ils sont prêts à assumer leurs devoirs. Il y a aussi la notion de la citoyenneté du sort commun, on est dans le même bateau. Et donc malheureusement, il n'y a pas, comme j'ai dit, il n'y a pas une évolution au niveau des mentalités. Et surtout en France, moi je suis en France, donc je sens que c'est très, très, il y a une lenteur, il y a un blocage, une certaine résistance pour le changement, d'accepter ce pluralisme, cette culture culturelle. Et donc on a toujours... on tend vers toujours, c'est-à-dire mettre tout le monde dans le même moule, etc. Je pense que ça s'est dépassé, c'est fini. Donc ça, c'est les années 50, 60, 70. Maintenant, il y a une nouvelle génération qui est cultivée. Et donc là, il faut travailler, en plus, ils sont des citoyens. On ne peut pas les qualifier de marginaux ou bien de... Mais est-ce qu'on sera obligé, est-ce qu'on sera... Par exemple, si on fait la comparaison par rapport à la Grande-Bretagne, il y a une grande ouverture au niveau sur les compétences étrangères. Certainement, certainement. Voilà. Mais si Mohamed Larbi... Mohamed Larbi. Oui, pardon, excusez-moi, si Mohamed Larbi Ramgi.
Il n'y a pas. Ah bon, pardon, c'est Mohamed Ramdi, excusez-moi. Moi qui vis, moi personnellement, je vis en France et en Grande-Bretagne où je travaille. C'est vrai que la différence, il n'y a pas photo. Ici, les gens sont beaucoup plus ouverts, ils admettent beaucoup plus facilement que l'autre ait sa place, tout en gardant son identité. Alors qu'en France, par exemple, moi je connais des gens qui ont fait des efforts, ça veut dire plus que méritoire, au point de s'effacer, au point de se renier presque, de s'assimiler par le déni de soi. Des gens qui ont changé leur prénom, par exemple Fatiha qui s'appelle Fatih, Samir qui s'appelle Sami, des gens qui ont même francisé leur nom, qui parlent français à leurs enfants, qui leur interdisent de parler dans leur langue vernaculaire d'origine. Malgré ça, ça ne passe pas. Ils restent marginalisés, ils restent discriminés. C'est une mentalité, voilà, parce que par rapport à Malaisie, c'est un peu la France, c'est un peu particulier à la France. Déjà, vous connaissez l'épisode des Rois, etc. C'est un peu particulier pour la France. Absolument. Ou bien vous êtes encore nous, ou bien vous êtes un peu marginalisé. Je vous donne juste un exemple personnel, par exemple. Moi, j'ai plus de 30 ans ici en France. J'ai mes enfants qui sont nés en France, qui sont des Français. Moi, j'ai demandé la nationalité française. Bon, intellectuel, j'ai un doctorat, etc. Et en France, de la Sorbonne. Mais on m'a dit non, tu n'as pas le droit d'avoir la nationalité. Pourquoi ? Tu n'adhères pas à nos valeurs, tu cherches que les papiers. C'est incroyable, hallucinant. Jamais en Angleterre il se passerait un truc pareil. Depuis 81, je suis installé en France, je suis un enseignant, j'enseigne à la jeunesse, qu'est-ce que ça veut dire, le juste milieu, éviter l'extrémisme. C'est incroyable. Donc, moi, on doit encourager, tu délites ses compétences, non ? On dit non, tu n'as pas le droit d'avoir la nationalité française, donc je suis étranger en France. C'est comme quoi ? C'est comme si vous nous disiez que votre identité est une délinquance. Restez avec nous. Restez avec nous. Jacob Cohen. Oui. Alors, à votre avis, vous qui avez une grande expérience en l'occurrence, est-ce que cette histoire va avoir des répercussions directes sur la Palestine, notamment, par exemple, en matière de colonisation? C'est-à-dire que ça va continuer comme avant, rien ne changera. Justement, le problème, c'est que Israël gagne en légitimité. L'histoire du terrorisme lui donne une certaine force et on va être encore plus cool. De toute façon, on l'a toujours été, il ne faut pas se faire d'illusions. L'Europe ne changera son attitude vis-à-vis d'Israël que contrainte et forcée, que s'il y a un mouvement populaire qui est important, qui oblige les dirigeants à changer leur politique. Et justement, c'est là que je reviens sur l'intervention du collègue précédent. Oui. C'est que c'est la raison pour laquelle on opprime les musulmans en France. C'est-à-dire qu'on les... Pourquoi ? Il y a le racisme traditionnel, la colonisation, etc. Mais il y a aussi le fait qu'il ne faut pas qu'ils aident la Palestine. Il ne faut pas qu'ils soient suffisamment forts pour faire dévier la politique de la France en faveur d'Israël. Et c'est pour ça qu'on les maintient, qu'on les oblige par exemple à porter, qu'il y a des lois sur la laïcité, qu'il y a des lois discriminatoires, pour justement les empêcher d'occuper la place qui leur revient, qui devrait leur revenir. Il n'y a pratiquement pas de musulmans réels, enfin je veux dire, dans les médias, dans la politique, ou alors des porte-paroles acceptées par le CRIF, acceptées par le système. Et donc c'est tout ce système qui est installé justement pour que la France ne change pas de politique vis-à-vis d'Israël. C'est-à-dire que le lobby judéo-sioniste qui tire les ficelles derrière, c'est lui qui plus ou moins fait cette politique-là, pour que rien ne change, et je ne pense pas que ça changera beaucoup pour la Palestine, malheureusement. C'est très intéressant ce que vous nous dites, si j'ai bien compris. Oui. Donc, le CRIF et autres lobbies qui ont l'État français sous contrôle sont en train de tout faire pour maintenir cette communauté musulmane qui soutient la Palestine,
pour la maintenir dans une marge très étroite où elle est elle-même en équilibre, où elle n'est jamais vraiment française, jamais vraiment debout, donc jamais capable de défendre qui que ce soit, pas même elle-même. Et, voilà. Et je voulais justement vous poser une question sur quelque chose. J'attendais que vous soyez mon invité pour vous poser cette question. Monsieur Valls, le ministre de l'Intérieur, qui est un très chaud partisan d'Israël, et il passe son temps à nous en parler, et Monsieur Hollande, qui lui aussi, lorsqu'il a été reçu par la famille Netanyahou, a poussé la chansonnette, etc. Et il nous parle tout le temps de laïcité. Cette histoire de voile, à tel point, à un certain moment, on en a soupé. Or, les deux, dans des cérémonies officielles, nous les voyons en kippa. Ça ne vous a pas choqué? Non, mais justement, ça fait partie de ce que je viens de dire tout à l'heure. C'est-à-dire que la laïcité, c'est uniquement bon pour les musulmans. Je vais vous donner un exemple. Quand la mairie de Roubaix autorise des horaires spéciaux dans la piscine municipale pour que les musulmans puissent venir se baigner séparés, hommes et femmes, il y a un tollé dans les médias. Or, il y a une ville dans le sud de la France qui s'appelle Aix-les-Bains, où il y a une école religieuse qu'on appelle une yeshiva. Depuis 50 ans, vous entendez bien, depuis 50 ans, cette ville organise des séances séparées pour les élèves de cette école, garçons et filles séparés. Et donc, finalement, la laïcité, c'est bon pour écraser les musulmans. C'est-à-dire qu'on le ressort, la laïcité, uniquement pour gêner les musulmans. Regardez, par exemple, les difficultés qu'ont les musulmans pour construire, pour ouvrir une école. On leur met des bâtons dans les roues, etc. Alors que les juifs n'appliquent même pas, on le sait, n'appliquent même pas la loi républicaine, qui veut que une école juive, enfin, ou financée par l'État, etc., aidée par l'État, puisse être ouverte à tous et puisse faire des programmes, etc. Pas du tout. Les écoles juives ont des classes séparées, etc., reçoivent des subventions. Et donc, finalement, en fait, la laïcité, c'est un double tranchant. C'est-à-dire que pour les musulmans, on est très sévère, mais pour les juifs, on ferme les yeux. Et donc, en fait, c'est double politique. Et c'est ça qu'il faut comprendre, c'est qu'en fait, on ne ressort les principes républicains que pour opprimer les musulmans, pour qu'ils rasent les murs, pour qu'ils ne relèvent pas la tête. Et donc ça fait partie de cette politique-là contre la communauté musulmane dans son ensemble. On ne peut pas être plus clair. Je vous remercie pour votre intégrité, Monsieur Jacob Cohen. Mais restez avec nous jusqu'à la fin. Zineb Azouz. Oui, je vous entends. Alors, vous vivez en Algérie. Vous vivez en Algérie, dans un pays où le régime est quasiment désigné par la France. Maintenant, c'est un secret de Polichinelle. À un certain moment, on nous accusait d'exagérer quand nous disions ça. Maintenant, tout le monde le sait. Parce que la France a trouvé la combine, elle aide les barons du régime algérien à blanchir leur argent. Et donc là, elle les tient par la barbichette, elle a un moyen de pression sur eux, ils ne bougent plus. Ce ministre des Affaires étrangères est venu donc manifester en faveur de la liberté d'expression, entre autres slogans. Et comme je l'ai dit dans mon introduction, il y a notre collègue Abdelsami Abdelhaï à Tébessa qui est en prison depuis 16 mois, sans mandat d'inculpation, sans chef d'inculpation. Il a été mis en prison par le frère du président, tout le monde le sait. Comment percevez-vous cet abus, cet excès, cet incroyable excès? Avant de revenir à la pente anonyme de la participation de l'Algérie, de tous les pays arabes, du Maghreb, des pays arabes, on commence par Jardès qui nous parle aussi, j'aimerais mettre l'accent sur ce que j'appelle la stratégie mimétique qu'ils nous ont bien concoctée. Ils ont fait comme des animaux, comme des prédateurs qui se cachent, qui prennent des couleurs de la forme pour mieux attraper leur proie. Moi, j'y vois, dans cette manifestation, je vois l'expression d'une coalition criminelle internationale.
de légitimation de tous les criminels et de tous les prédateurs, de tous ceux qui tuent dans le monde entier. Cette manifestation, hélas, je ne peux pas y voir autre chose. Une manifestation dans laquelle Netanyahou est dans les premiers rangs pour venir nous parler, pour venir dénoncer les terroristes, c'est plus que se moquer et insulter les victimes. Quand on sait qu'à peine hier, des Palestiniens ont crevé de froid suite au bombardement de l'armée la plus démocratique africaine du monde. Ça, c'est pour mettre les choses à leur place de façon plus générale. Maintenant, qu'est-ce que des geôliers comme gouvernants représentent dans cet échiquier? Eh bien, ce sont des geôliers qui vont dresser et qui sont venus justement défendre leur place. Ils sont venus rappeler qu'ils ne vont pas venir apporter la parole du peuple, ni les ressentiments du peuple, ni les contradictions, ni ce que dit la société. Ils sont venus s'exécuter, ils ont été convoqués pour venir montrer patte blanche. Comment expliquer qu'un ministre qui met ses blogueurs, ses caricaturistes en prison, comment expliquer qu'un pays de Wild Data, je rappelle ce père de famille qui a osé mettre une vidéo dans laquelle on voit des policiers piller un magasin RDA, est en train de purger 2 ans de prison, outrage pour l'air de majesté. Comment est-ce qu'un ministre qui interdit, qui tire sur les manifestants, qui interdit toute expression à sa population, ose aller défendre la liberté d'expression à Paris? Mon Dieu, si ce monde avait été juste fêté Noël, on aurait accepté. Mais là ils sont carrément en train de nous dire c'est fini, la récréation des printemps arabes, c'est fini. D'ailleurs, la Tunisie a été représentée dans cette coalition des monstres. C'est fini, le message est clair, Jonathan. Ils sont en train de nous dire c'est fini, nous sommes solidaires avec les dictateurs. Vous créez ce terrorisme, aucun moyen de prouver que c'est nous qui l'avons créé. Vous n'avez aucun moyen de vous défendre contre ces monstres. Que nous avons entendu faire du djihad en Syrie et en Libye pour imposer les multinationales. Vous n'avez aucun moyen de vous défendre contre ce qu'on vous avance, contre ce qu'on vous impose. Des Français commettent un crime en France et c'est l'islam qui est désigné. On déplaise aux philosophes, on déplaise aux théologiens, on déplaise aux sociologues, on déplaise même aux procureurs de la République, qu'on n'a pas entendu d'ailleurs. Je suis personnellement effrayée par l'ampleur. Là, je dis que c'est pire que le 11 septembre. Le 11 septembre, il fallait aller faire la guerre en détruire l'Irak et l'Afghanistan. Là, c'est carrément de détruire tous en même temps. Je ne sais pas s'ils vont décider d'aller attaquer le Yémen. C'est tout à fait possible. Alors, il est sûr que les dictateurs n'ont jamais été aussi confortés dans leur théorie comme après le 7 janvier. Hélas. En tout cas, Zineb, je ne sais pas si vous pensez comme moi, quand j'ai dit Paris 2.11 septembre épisode 2, part 2, ça veut dire on s'attend à quelque chose comme ça, attaquer le Yémen, ou ça veut dire qu'il se prépare quelque chose. On est bien d'accord. Il se prépare certainement quelque chose, et ce que je vois immédiatement, c'est conforter toutes les dictatures, conforter tous les geôliers, renforcer les marchés, renforcer la théorie de choc des civilisations, exiger que tous les musulmans nous montrent pas de blanche. On a exigé des musulmans de prouver qu'ils sont musulmans modérés. Maintenant, c'est le président de la République française qui nous explique le vrai islam du monde islam. Restez avec nous. Ismahan, oui. Si vous nous disiez un peu ce que vous pensez de la liberté d'expression en France, vous qui y vivez. Oui, en effet, en ce qui concerne la liberté d'expression, comme je disais tout à l'heure, elle n'est pas totale, bien entendu. On a malheureusement vu le cas ces dernières années, comme je le disais, avec Dieudonné. Hein, quand il s'agit des musulmans, on est libre de dire ce que l'on souhaite, d'attaquer les musulmans. Et malheureusement, c'est la communauté musulmane qui en paye les pots cassés. Je rappellerai aussi qu'il y a le caricaturiste Siné,
qui avait été, il y a quelques années, licencié de Charlie Hebdo. Oui, tout à fait. Car il était taxé d'antisémitisme. Oui. En ce qui concerne les caricatures du prophète sallallahu alayhi wa sallam, eh bien, on voit qu'il n'y a pas de licenciement, qu'il n'y a pas de censure, que rien n'a été dénoncé par les autorités françaises, comme ce fut le cas en ce qui concerne des caricatures de Dieudonné, pardon, lorsque le président de la République ou bien Manuel Valls également sont intervenus en ce qui concerne les sketchs de Dieudonné. Mais je rappelle que cet épisode ciné, à ce moment-là, Philippe Val avait fait une déclaration ô combien tonitruante. Il avait dit Israël, pas touche. Vous vous en rappelez? Exactement. Voilà. Exactement. Tandis que les musulmans, nous pouvons toucher les musulmans, nous pouvons malheureusement attaquer les musulmans. Et ce qui est triste, c'est qu'aujourd'hui, il y ait des amalgames entre ce genre d'actes et l'islam. Car c'est aujourd'hui les musulmans qui en payent les pots cassés, puisque malheureusement le voir très peu dans l'actualité, dans les médias, bon nombre de mosquées ont été attaquées à la suite de ces événements. Des femmes voilées ont été attaquées. Or, malheureusement, on voit qu'aujourd'hui, les médias n'en parlent plus, comme si c'était un retour normal de ces événements. Or, il faut le dénoncer, il faut le rappeler, car les musulmans, aujourd'hui, sont aussi dans une situation délicate. En effet, il y a eu de nombreuses attaques contre des mosquées, contre des commerces musulmans, contre, je ne parle pas des vexations. Moi-même, mon propre petit-fils a été agressé verbalement, traité de terroriste. Mais bon, restez avec nous, Ismaël. Si Mohamed Ramghi. Allô? Si Mohamed Ramghi. Oui, je vous écoute. Oui. Alors, on entend souvent parler de ce vivre ensemble, parce qu'on le veuille ou non, les millions de nos compatriotes ou de nos co-religionnaires, on les appellera comme on voudra, qui se sentent eux-mêmes français à part entière, qui savent que maintenant leur pays c'est la France, que même s'ils ont gardé des liens avec le pays d'origine, des racines, mais leur pays est la France, c'est le pays de leurs enfants, ça veut dire que leur vie est là. Et donc il n'y a pas d'autre choix que d'essayer de trouver des passerelles pour essayer d'aboutir, comme on dit, c'est si beau ce terme, est tellement beau, le vivre ensemble. Comment le voyez-vous vous-même, ce vivre ensemble? Bon, pour le vivre ensemble, il y a des conditions, normalement. Donc la plus grande condition, le fondement de vivre ensemble, c'est le respect mutuel. Tant qu'il n'y a pas de respect mutuel, on ne peut pas vivre. Donc c'est-à-dire, bon, après, dans la diversité, c'est ok, normalement, c'est avec le respect de ce qu'on dit respect, c'est-à-dire bien, on va reconnaître la différence. Sinon, à quoi sert, donc, si on dit vivre ensemble avec quelqu'un qui nous ressemble? Donc là, il faut vivre ensemble avec quelqu'un qui nous ressemble pas, qui est différent de nous. Et là, il faut un travail des deux côtés, je pense, même aussi des musulmans et de la société, pour se rapprocher. Et donc, il n'y a pas mieux que ce respect mutuel. Mais le respect mutuel, aussi, ça exige que, on ne veut pas insulter, je pense. Et ça, je pense, c'est pas seulement pour les musulmans, même pour les chrétiens aussi, je pense, ils sont touchés par les caricatures, etc., ou bien par tout ce qui est au nom de l'humour, au nom de... Donc, on peut la liberté, on peut aussi insulter de tout ce qui est sacré. Donc, je pense, j'ai pensé à l'idée de Edgar Morin, pardon, c'est le sociologue Edgar Morin, qui dit qu'il y a deux conditions, il y a deux limites pour la liberté d'expression. Il y a la loi, c'est vrai, mais il y a ce qu'on appelle le bon goût. Et le bon goût, c'est-à-dire, on ne peut pas insulter les prophètes ou bien c'est-à-dire les références de presque deux tiers de l'humanité, donc c'est-à-dire entre musulmans et chrétiens, etc. Absolument. Et on dit ça, ça fait partie de la liberté d'expression. Je pense qu'il y a un problème actuellement en France, c'est qu'on est en train de pousser vers une approche laïque fondamentaliste, comme on dit. Donc, dans le sens, on est sorti un peu de l'idée de l'approche, originale de laïcité, à savoir une laïcité à religieuse, c'est-à-dire
qui ne s'occupe pas de la religion, il y a cette séparation. On est parti vers, maintenant, on est vers ce qu'on appelle une laïcité anti-religieuse. Ça pose un problème parce que il faut revenir à l'esprit de laïcité, de la neutralité par rapport aux religions. Donc il y a cette séparation, puis une séparation. On ne peut pas attaquer donc les religions au nom de la liberté d'expression. Donc je pense qu'il y a un travail à faire conceptuel, un chantier donc de la part des sages des deux côtés pour arriver à se vivre ensemble parce que ça nécessite un changement de mentalité. Et donc bien sûr avec lorsqu'on dit aussi il y a les principes de la France et une liberté, égalité et fraternité, donc on peut parler beaucoup de la liberté, mais elle est où l'égalité, des chances, l'égalité, etc. Donc vivre ensemble, ça demande c'est-à-dire il faut revoir tout ça. Donc on avait appris cette vague émotionnelle, maintenant il faut poser une vraie question parce que c'est Mohamed donc pour vraiment sortir seulement on ne doit pas faire parler seulement d'une certaine tolérance avec les citoyens musulmans, c'est pas seulement de la tolérance, on doit passer à la reconnaissance. Mais justement c'est Mohamed pour arriver à cette reconnaissance, ne s'offre pas comme ça. Ça veut dire que pourquoi cette communauté est incapable de s'organiser de façon à pouvoir devenir une base électorale qui peut influer sur le cours des événements et en quelque sorte monnayer cette reconnaissance dont vous parlez, la gagner de haute lutte. Or, ce qu'on constate, c'est que deux choses. La représentation religieuse, c'est-à-dire les représentants religieux, généralement, sont tous des flibustiers, ou presque tous, pour ne pas insulter tout le monde, des gens qui s'occupent de leurs petites affaires et ou qui ont un fil à la patte, ou alors les élus, généralement, ils sont à gauche, ils sont à droite, ils sont à l'extrême droite, ils sont un peu partout, il n'y a pas de vrai... Alors que, par exemple, quand vous prenez l'électorat juif, c'est différent. C'est un électorat, pourtant il est minime par rapport à l'électorat musulman, mais il est soudé, il est homogène et il impose en plus de sa puissance, la puissance de ses lobbies, de ses réseaux, en plus il est quand même présent sur le plan électoral. Or, pour les musulmans, ce n'est pas le cas du tout. Alors là, cette reconnaissance dont vous parlez, elle ne va pas tomber du ciel. Je suis d'accord avec vous, mais il faut éviter de la comparaison. Parce que pour la raison juive et l'action, c'est-à-dire l'influence juive, elle date de Napoléon Bonaparte. Hein, ils sont là, il y a même un pacte entre les juifs et Bonaparte. Donc leur présence est ancienne. Par rapport à la présence musulmane ici en France, en plus le fait que c'est la première génération qui est venue, dans la majorité des cas, sont des gens analphabètes, etc. Donc ils n'ont pas cet esprit institutionnel pour la représentation, etc. Il faut attendre une composante, on peut dire, qui est cultivée, ou bien des étudiants, ou bien ce sont des réfugiés, etc., qui sont arrivés. Après, ça commence, on est passé de petites salles de prière, etc., donc, à des centres islamiques, et là, ça commence l'esprit institutionnel, donc, qui est donc aussi l'esprit stratégique, la préparation de l'avenir, la notion de citoyenneté, etc. Donc, c'est un peu récent, toute cette prise de conscience. L'essentiel, il y a, moi, je suis, comme j'ai dit, plus de 30 années, je vois qu'il y a une évolution vers donc un peu l'aspect qualitatif, si on peut dire, cette présence musulmane, petit à petit, lentement, mais ça demande, comme j'ai dit, c'est un travail, parce qu'il ne faut pas oublier que les musulmans qui sont venus en France, ils ont aussi hérité d'un héritage, c'est-à-dire il y a le poids de l'histoire aussi, de la décadence civilisationnelle, le retard civilisationnel des musulmans. Donc il y a tout ça, on appelle l'esprit institutionnel, il y a l'esprit de la pensée unique, il y a tout ce que vous voulez. Donc on peut trouver par exemple un président d'une association, mais il veut être président à vie de la situation. On appelle l'esprit d'alternance, de changement, etc. Et donc petit à petit, les choses commencent à changer avec une certaine prise de conscience, une nouvelle génération. Ça prend du temps, mais si on est dans le bon sens, c'est pourquoi actuellement, même s'il y a des tentatives pour organiser la présence musulmane, malheureusement, il y a un autre problème, c'est l'ingérence de certains pays.
dans cette on n'a pas laissé les musulmans s'organiser librement, et là, que ce soit l'État français, que certains pays musulmans, et donc ça bloque cette représentation des musulmans. Donc il y a pas mal de travail, je pense que c'est un grand chantier au niveau de la pensée, donc aussi c'est un effort de la part pour le faire comprendre dans la société. Merci. Que les musulmans sont devenus une partie intégrante, donc il y a un travail des deux côtés, et donc je pense que l'élite musulmane doit travailler avec des gens qui sont aussi des gens honnêtes dans la société française, des élites aussi qui sont ouvertes sur la présence musulmane. Quand ils considèrent que cette présence musulmane c'est une richesse culturelle de la France, etc., je pense qu'il faut. Merci, c'est Mohamed Ramghi. C'est Mohamed Ramghi, merci, je vous remercie. Je vais faire un tour de table pour nos invités, que chacun dise un dernier mot avant que nous nous quittions. Monsieur Jacob Cohen. J'ai publié il y a quelques jours un texte qui s'appelle « Manifeste pour un communautarisme musulman décomplexé », où j'invite la communauté musulmane de France à surmonter ses peurs, sa honte, son complexe d'infériorité, et d'assumer et de créer, comme les juifs, des unions. L'union des étudiants musulmans de telle ville, l'union des patrons musulmans de France, etc., et de le faire, et de le clamer, et de présenter des listes, et de montrer aux autorités françaises qu'ils sont là, qu'ils veulent leurs droits, et qu'ils les prendront de gré ou de force, que le lobby le veuille ou non. Je voudrais que les musulmans adoptent une politique beaucoup plus revendicative, ce que j'ai appelé un jour du communautarisme de résistance. Mais s'ils attendent qu'on leur donne leurs droits, ils vont attendre encore des générations. Mais voilà, Jacob Cohen, où est-ce qu'on peut trouver ce manifeste? Il est sur ma page, il est sur mon blog. Votre blog, donnez-nous le lien. Il s'appelle, le blog s'appelle Jacob de Meknès. Jacob de Meknès, merci beaucoup. Jacob de Meknès. Jacob de Meknès, merci beaucoup. Sinon, il est sur ma page Facebook aussi, il n'y a pas de souci. Bah, c'est très bien. Publié sur ma page Facebook. Nous vous en remercions. Un dernier mot, Zine Bazouz, en moins d'une minute, s'il vous plaît, parce que nous avons conclu, en fait. Je tiens à saluer ton invité, notre invité Jacob Cohen, dont j'ai lu le manifeste. Je voudrais juste rappeler, là, et là c'est incroyable de ma part d'avoir oublié, que le 11 janvier est toujours pour revenir, parce que chacun parle de sa position. Moi, je parle de ma position, qui je me trouve en Algérie. Le 11 janvier 1992, c'est la date de l'anniversaire d'un putsch militaire algérien, dont nous payons toujours les conséquences. Merci, Zineb. Et d'aller fêter la démocratie à Paris. Merci, monsieur. Merci. Bravo, j'ai envie de vous dire. Au nom de toutes les victimes algériennes et de toutes les victimes palestiniennes et de toutes les victimes du monde libre. Merci, Zineb. Merci. Je rappelle que le 11 janvier, c'est la date anniversaire du putsch militaire algérien. Merci, Zineb. Ismaël Bouzidi, un dernier mot en très peu de temps, s'il vous plaît. Un dernier mot, puisque le temps est très court, et bien je suis vivre ensemble, un vivre ensemble qui nous permettra, Inch'Allah, de lutter pour le droit, la justice, le respect et la dignité. Merci, Ismaël, merci à mes autres invités. Cette émission est terminée. J'espère que tout le monde suivra les conseils ô combien avisés de M. Jacob Cohen, pour que les musulmans s'organisent, non pas pour s'imposer en partie dominante ou pour s'imposer en partie qui vient rouler des mécaniques, mais juste pour obtenir ses droits à la dignité, ses droits à la reconnaissance. Salam alaikum, azzul bqawala khair. Bismillah.